Hey, tu peux m'aider financièrement gratuitement en allant sur ma page Utip qui se trouve dans la description de la vidéo. Allez, bon visionnage. Hey, salut tout le monde et bienvenue sur Fancy Gaming. On se retrouve pour un nouvel épisode sur SimCity. Ah oui, il faut travailler. Ah, y en a qui bossent à l'université comme moi, il y en a qui travaillent aussi sur d'autres projets comme moi, que ce soit sur YouTube ou sur un autre projet professionnel. Comme moi, y en a qui travaillent qui sont dans la vie active. Moi, je sais pas trop si on peut me qualifier dans la vie active, mais bon, c'est pas grave. Y en a qui font ceci, y en a qui font cela. It's very complicated to work. Work for me, work for you, work for my students. Bref, c'est difficile de mélanger travail personnel, de travail privé, que ça soit de l'université, à un travail de vidéaste, mais aussi d'un autre travail que je voudrais approfondir pour moi, parce que j'adore, c'est une autre passion, c'est un autre projet que... Personne ne sait que pourtant, même avant ma chaîne YouTube, j'ai commencé. Oui. En fait, vous croyez que je suis un simple vidéaste, mais pas du tout. Pas du tout. Il y a plein de choses que vous ne savez pas sur moi et que vous ne saurez certainement jamais. À part pour ceux qui sont curieux, mais bonne chance pour trouver. Mais sinon, personne ne sait et personne ne le saura, donc si vous voulez, vous pouvez deviner, mais bon, ça sera chaud de trouver. Ah là 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 là. Bref, continuons. Donc oui, YouTube, ça me donne un peu d'argent. Donc, ça me permet de m'acheter des jeux. Et de pouvoir, pourquoi pas, m'acheter autre chose que des jeux. Sinon, j'ai d'autres projets. Bien sûr, dans ma vie, je n'ai pas YouTube... principalement. Et oui, c'est ça d'entreprendre. Il faut entreprendre dans la vie pour faire des choses. Si vous voulez bouger, si vous voulez faire quelque chose, si vous voulez pas vous ennuyer, il faut entreprendre des choses. Entreprendre. Et avoir des bonnes idées. Oui. Ayez ce réflexe. Il n'y a pas forcément énormément de problèmes. On a, au niveau des centres de recyclage, on n'a pas assez de conteneurs de recyclage. Il serait judicieux d'en prendre. Mais ils sont où le reste? Ok, il y a lui. Il est tout seul. Allez, les conteneurs de recyclage. C'est quoi ce boulot? Faut aller plus vite. Comme ça, on pourra faire... On pourra vendre du matériau. Enfin, des matériaux. Ça, c'est bien. C'est pas fini, hein. Il y en a encore un peu, là. Hein. N'oubliez pas. Produit métal, alliage, plastique. Bah, tant mieux, alors. Si ça produit, ça produit. C'est une bonne chose. Alors, est-ce qu'il y a un peu de chômage? Ah, merde, il y a des chômeurs. Ah bah oui, mais bon, hein, ça c'est en train de se construire. Hein, il y a des nouvelles entreprises, etc. Donc bon, hein, faut laisser les choses continuer. École primaire. Est-ce qu'il y a une école? Oui, j'avais pas vu. D'accord. Bon, on va mettre un lycée. Ben voilà, un lycée, un centre universitaire, une biblio. Chut, c'est secret.
réentre nous. Oh putain, la voix que j'ai fait. Ah, Francie. Fou pour un jour, fou pour toujours. C'est ce qu'on me dit, mais bon, je ne vois pas de quoi vous parlez, messieurs, dames. Messieurs, dames, bonjour. Oui, c'est Janine. Mais oui, Janine, vous ne la connaissez pas. C'est moi, votre assistante maternelle. Je déteste quand je fais cette voix, c'est dingue. Mais j'aime bien. Je suis bizarre. On me l'a dit souvent, surtout mes ex. Je me demande pourquoi je suis plus avec une fille. Non, parce que je suis trop compliqué dans les critères. Oui, je suis dur en affaires, je suis dur en femme. Oui, je suis dur. Et j'aime cette dureté poussive. Ah, il y en a qu'une qui a réussi. Hein. Enfin, réussi réellement. Ah. C'était de la vraie amour. Mais sinon, le reste, c'était des petites... voilà. Bah quand vous êtes jeune et après le reste c'est des aventures. Alors bon, voilà. Le vrai amour, ça se ressent pas souvent. Hein. Il y en a qu'une qui a réussi pour le moment. Hein. C'est dur, hein. Je suis dur. Vous allez me dire, Francis, c'est incroyable. Il est difficile en amour. Waouh. Exigeant, j'adore ça. Eh ben vas-y. Je voudrais bien mettre une station de pompage. Ça me fait chier parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau en fait. Dans mon territoire. C'est chiant! Il y a des gens qui sont enseignants, qui enseignent là-bas. Alors, au niveau de la technologie, la technologia. Pour le moment, ça se passe. Là-dedans, on a quoi? Ah, on a du plastique. Ouais, allez, je vais casser leur machin, là. Hop. Qu'est-ce qu'il nous faut? Alors on a ça, mais il nous manque l'alliage. Bonjour. Je suis alliage. Ah ben non, je l'ai déjà. Bah qu'est-ce qu'il nous manque? Oh, du plastique. Suis-je stupide? À boule le plastique. Voilà. Ah, le plastique. Oh, en plus, ça se vend bien. Oh, purée, on pourrait devenir hyper riche juste grâce à ça. C'est dingue! Je trouve ça dingue. Lycée. Pas beaucoup hein, de gens qui veulent apprendre. C'est important, le lycée. Sachez-le. Enfin, lol. C'est moi qui dis ça, qui me suis plaint, mais... comme pas possible du lycée. De l'enseignement en général. Et je suis très content d'être à l'université et d'apprendre quelque chose de réel. Oui. Qui va vraiment me servir. Dans la vraie vie. Très content. Oui, une méga tour! Tout le monde est heureux d'assister à cette méga tour. Bouette. Est-ce que ça donne un petit peu? Ah oui. Bouette. D'accord, bah c'est pas mal ça. C'est le bordel ici, hein, à cause de la bibliothèque surtout.
Ouette, ouette. Ouais. On va le continuer tout droit. Et je voudrais qu'on le relie à ici. Comme ça, les gens, ils vont pouvoir sortir par là. Oui, soyez intelligents, messieurs, dames. Oh, il y a eu la fraude. Qu'est-ce que c'est que ça? Quatre criminels en liberté? Ce n'est pas normal. Tâchez de les emprisonner. Allez les gens éduqués! Il faut bosser! Ah mince! Il serait judicieux de les mettre ici aussi. Pouette! Pouette, 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 pouette. On a des problèmes d'eau. Mon dieu. C'est... la bordel. Oh bah c'est bon. Ouette. Clinique ou hôpital inactive. Ah d'accord. Ah ok, tout en bas c'est la mort. Y'a plus d'eau partout. C'est bon, l'eau arrive. Oui, oui, l'eau arrive, ne vous en faites pas, mesdames et messieurs. L'hôpital est active. Voilà, vous avez de l'eau. C'était une toute petite coupure, c'était pas grave. Hein. Ne vous en faites pas, messieurs, dames. Messieurs, dames, bonjour, je suis gentil, je suis le maire, bien sûr. Allez, plus de gens. Est-ce qu'il y a du chômage? Alors non, parce que les gens, ils partent. Mais on a vraiment un problème. On a vraiment un chômage élevé. Et ça, ça crée des bouchons si je gère pas ça bien. Créer des usines. Il y a plein de petits trucs comme ça là qui sont ouverts. C'est dingue. Hein. Ils sont toujours jamais contents. Hein. C'est pas possible. Hein. Alors, au niveau des déchets, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que ça produit bien. Hein. Voilà. On commence à avoir plein de plastique. C'est bien. Ça passe. La méga tour va nous rapporter énormément d'argent en même temps, donc c'est pas mal. Soyons riches, soyons fous, soyons heureux. Habitons à Francalami. Wow, le lycée c'est presque complet. Ah ouais. Un crime commis par jour. Et il vient pas de chez nous, parce qu'on n'a pas de criminel. Oui, au niveau du lycée, tout. Bon, pour le moment, ça passe. Putain, il y a des trucs de la région qui passent comme ça, tranquille. Allez, il faut étudier, les enfants! C'est important. Surtout tous ceux qui sont à l'UNIV. Étudier. Encore. Fermé pour manque de main d'œuvre. Putain, on a 600 chômeurs. Ah, c'est chiant hein, les chômeurs hein. Tous des feignants. Vous savez qui je m'inspire pour dire ça. Soit ramassé dans votre ville en un jour. Waouh! Incroyable! Ah oui! Plus de 10 tonnes! C'est surtout la méga tour.
qui prend beaucoup, donc bon. C'est bon, il est éteint le feu. On s'en fout, il est éteint. Il a fait son travail, point. Pourquoi? Parce que je voudrais avoir une centrale nucléaire. L'industrie moderne se développe, moins odorante que les vieilles usines. Elle est créatrice d'emplois. Oh oui. Venez à Francalamie. Le lieu pour avoir de l'emploi. Francalamie. On dirait une grosse publicité. Francalamie. Soyez heureux. Venez à Francalamie. Pouette, pouette, pouette. Oula. Toujours pas arrivé, hein. Pouette, 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 pouette. Putain, il y a deux trucs qui sont en train de brûler, quoi. Le problème, c'est qu'on est dans les bouchons, quoi. Poêlette, 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 poêlette. Oh putain, mais il y a le feu partout. Poêlette, poêlette, poêlette. Poêlette, 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 poêlette. Poêlette, poêlette, poêlette. Oh là là, la musique! Ah, désolé, la musique elle est tellement bien! Poêlette, 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 poêlette. Je suis ta maman, oui. Je suis ta maman. Oui, je suis ta maman. Écoute-moi, mon fils. Mon fils bien-aimé. Ta maman n'est pas contente. Ta maman veut que tu fasses des études. Oui, parce que les études, c'est important. Et moi-même, je suis très bien placé pour le dire. Les études, je suis étudiant. Oh oui, oui, oui. Ah, il y a un mec qui a voulu qu'on mette des bus. C'est une bonne idée. On pourrait mettre des trams. Poêlette, 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 poêlette. Oh, c'est le bordel. J'ai hâte de casser cette centrale à éolienne et d'avoir des gens un peu plus intelligents dans ma ville. Un peu plus intelligents. Ça serait sympa. Non mais ici ils ont rien. C'est vrai qu'ils sont totalement abandonnés là-bas. C'est quoi ce problème? C'est tout. Hop. Bâtiment en feu. Et le dernier, il est où? Poêlette, poêlette, poêlette. Un pot élevé? Mais t'es sérieux? Et c'est vous les riches qui vous dites, qui dites ça? Oh les riches. Oh les riches. Ça va, on peut faire baisser vos impôts si vous voulez. Ah oui, là on a des éoliennes qui sont totalement mortes. Mmh.
Et oui, c'est vrai, on aura des problèmes d'électricité. Il faut penser à ça comme problème. Parce que c'est important l'électricité. What? Voilà, on a l'électricité. Pénurie. Mais non, l'électricité ça revient. Vous en faites pas. Ah bah oui, il a rien l'autre. Ça va faire partir les gens. Faut vite qu'il y ait de l'électricité. Ah bah voilà. Arrêtez de vous plaindre. Ah, incroyable. Les gens se plaignent à Franck Alamy. En Calami, la meilleure ville du monde. Incroyable. Je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. T'es sérieux? Les impôts nuisent aux affaires alors que je viens de le diminuer à 11%. Oh, il commence un petit peu à me casser les buburnes, hein. Par contre, au niveau des chômeurs, wow. On est les rois des chômages. Le roi du chômage. Et c'est quelle tranche de richesse qui est au chômage? Ah, elle est pas riche. Oh, ça fait chier. Et par exemple, les moyens riches et les très riches, eux, ils ont de l'emploi. Oh, comme par hasard. On chier, eux. Ça devrait être par rapport au niveau d'études. Et non par rapport à la richesse. C'est quoi cette classification? J'aime bien le... Oh, par contre, on a plein de morts. Pourtant, il y a presque rien dans notre... Eh, les malades, vous pouvez vous déplacer, voyons. C'est pas la mort hein, de se déplacer. Hein. Les pompiers sont longs, en effet. Et ça, c'est parce que c'est la merde pour se déplacer. C'est trop chiant pour se déplacer. Il y a des bouchons partout. Sauf ici. Ah ben par contre, ici, il y a des bouchons. Hein. Parce qu'il n'y a pas ça, je crois. Et le problème, c'est aussi la méga tour. Est-ce que je l'ai bien placé au moins? Je me pose maintenant la question. Est-ce qu'on peut mettre la centrale nucléaire? Bonjour, je vous annonce qu'on met une centrale nucléaire qui va être ici. Comme ça, il n'y aura plus d'autres emplacements. Comment ça, les gens, ils sont pas contents du nucléaire? Eh oh, on se calme, hein. Vive le nucléaire! C'est le truc le plus propre dans SimCity, alors bon. Alors que pourtant, bref. Bon, si, fais pas ton malin, hein. Ok, j'arrête. 6 employés. Et 4 tombes. Ah, il y a trop de morts. C'est triste. Ils sont fous. Oh, il y a trop de morts. Oh, tristesse. Attendez, mais... Il y a 1 milliard de chômeurs. Vous pouvez pas faire des études pour pouvoir travailler à cette centrale nucléaire? Y'a combien de gens? 35 employés, c'est tout. Ah ben voilà, il y en a un peu plus. Il en faut combien pour que ça fonctionne? Il en faut 100 ou quoi? Il
Toujours fermé, hein. Il en faut combien pour que ça marche? Il en faut 100. Ah! Bon, il paraît que c'est sûr. Bon, tant mieux. C'est bon, là, il y a moins de chômeurs. Ah ben, d'un coup, il y a moins de chômeurs, mais ils partent dans les autres villes. Oh. Bon, ben... Impôts élevés. Non, mais c'est une blague! Et les impôts, ils sont pareils pour les riches et tout comme les pauvres. Hein. Alors, fais pas ça. Hein. Dis pas ça, plutôt. Quoi, impossible de... Mais putain! Ah! Je comprends. J'ai compris. Voilà. J'ai cassé. Non, c'est pas cassé, ça. Voilà, c'est cassé. Voilà! Maintenant, vous pouvez passer par ici. C'est mieux. On va faire attention à la centrale nucléaire parce que j'ai pas confiance. C'est bon. Ça va pour le moment, ça va. En termes de technologie, là on a... Ah ok, pas de technologie pour la centrale nucléaire, d'accord. On m'appelle hein, quand il y aura de la technologie. Hein. Bon, en tout cas, en termes d'électricité, on n'a pas de problème. Hein. Par contre, au niveau des... On a trop de bouchons. C'est même pas dans cette allée qu'on a des bouchons. C'est ici, quoi. Mais il y a combien de gens qui partent là à travailler? Mais il y a 1 milliard de postes! Venant d'une autre ville. Oh putain, il y a plein de gens qui viennent. Waouh, explosion. Alors je sais pas qu'est-ce qui a fait que qu'il y ait une création d'emploi énorme, mais... Est-ce que c'est parce qu'il y a moins de gens là-dedans? Eh oui! Putain! Chiant! Moins d'impôts! Bref, donc on va s'arrêter là pour cet épisode. On se retrouve la fois prochaine pour un nouvel épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi. Allez! Ciao tout le monde!